Hey, mais je te connais toi, t'es youtubeur, t'es Gameoni, c'est ça non? Ouais, bah pendant le confinement, je regardais tes vidéos. Franchement, ça m'a fait passer le temps, c'était cool. J'ai découvert plein de pépites grâce à toi. Avec tous les gars aussi. Putain, merde, encore un relou. Faut que je trouve un bail vite zef pour m'en débarrasser. Je suis un ninja, bordel. Je suis censé Voilà, être incognito, exactement. Et du coup, merde. Alex, alors? Tu chill? Tu prends ton petit bubble tea là? T'es bien là? Pourquoi tu parles pas? Sur YouTube, t'es moins timide. Non, ma gueule, malheureusement, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Moi, c'est Big Cam Gaming. Mais va donc voir par là-bas si je suis pas là. Je crois que j'ai vu Game Oni. Biggie, mais j'ai vu toutes tes vidéos, je connais bien sûr. C'est même mieux que la tocard de Game Oni là. Viens, bon, viens, faut que je te montre. Aix est ma ville, je vais te montrer les bons plans là. Je sais que toi, t'es à la recherche de bons tuyaux en général. Bah viens, viens, je vais te montrer. Putain, j'espère que c'est terrible parce que ça fait chier, j'ai pas que ça à foutre moi. T'aimes le gaming? Tu vas voir, tu vas pas regretter. Viens, viens. A few moments later. Viens, c'est par là. Allez. On peut prendre une table pour deux peut-être? Il y a la place. On va de la place, oui. On va choisir ici une, hein? Ouais, bien sûr. Bon, on se met là, non, on se met là. Très bien, allez. Installez-vous. Tu vas voir, Big Cam, ici, ils ont ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu te sers aujourd'hui? Pour moi, le bento, comme d'habitude, je te fais confiance. Et pour Biggie, le plat spécial. D'accord. Le plat spécial, c'est vraiment épicé, hein? C'est pas grave, envoyez le plat spécial. Ok. Ok, tu vas voir. T'es sûr qu'il est bien spécial, le plat spécial? Parce que moi, je suis pas venu pour manger des nids d'hirondelles. Moi, je suis Big Cam quand même, et en tant que Big Cam, j'attends à être bien servi. Non mais fais-moi confiance, ici on est bien servi, je suis un habitué, Kiwa, valeur sûre. Ok. Tiens et au fait, vu que t'es un fan, bah l'addition c'est pour toi ma gueule. Dans mon souvenir, il était plus sympa que ça Big Cam. Quel gros connard en fait. Et voilà, votre plat. Merci. Ah ouais, t'avais pas menti, je crois qu'on est parti pour bien se régaler. Salut mes chinois! C'est le grand retour des Chibi Reviews avec Wolong, sorti le 3 mars 2023, afin de rassasier tous les fins gourmets de jeux d'action dont je fais partie, et je m'en vais, de ce pas, vous dire si le restaurant de la Team Ninja mérite bien toutes ses étoiles au guide Ming Chelin, ou si au contraire, c'est de la viande de pangolin avariée façon street food de chez McDonald's. Ici, nous allons parler du jeu, et rien que du jeu. Pour tout ce qui est lié à l'historique du développement et tout le bordel qui va avec, je vous renvoie au live Retro Game Show saison 5 épisode 8 sur la Team Ninja, et dont vous trouverez le lien en description of course. Ayant mis les points sur les Hanzi, on démarre ce test avec l'analyse du scénario qui réussit l'extraordinaire exploit d'être autant compliqué qu'il est inexistant. Nous comptons pour la 38e fois les événements de Dynasty Warriors et de ses trois royaumes, Koei Tecmo nous ramène une fois de plus au 2e siècle de notre ère, où c'est le Wai en Chine, parce que le régime décadent de la dynastie des Han se mange la révolte des Gilets jaunes qui foutent le pays à feu et à sang à cause de la hausse du prix du Nutella. Cette révolte est pilotée en sous-main par Mao Zedong, une espèce de professeur de yoga dont le barbier a dû mourir il y a fort longtemps, et qui a créé une secte pour arrondir les fins de mois, un peu comme une streameuse à poil sur Twitch. Pour conquérir le monde, Mao Zedong a mis au point un élixir dans le laboratoire P4 de Wuhan, qui a pour effet de décupler les énergies vitales, celles qui parcourent votre corps et que l'on appelle le Ki, et qui te transforment en démon, te rendant aussi puissant que méchant. Vous, vous incarnez Li Jinping. Et vous voulez niquer le prêtre yoga zinzin qui fait brère tout le monde. Pendant votre périple, des mecs qu'on sait pas du tout qui c'est, parce qu'ils se ressemblent tous et s'appellent tous pareil, surgiront de nulle part pour vous aider en vous cassant les couilles avec des grands discours biographiques auxquels vous comprendrez rien, parce que vous serez trop occupé à défourailler les monstres pendant qu'ils vous font la discussion.
Mais pour ceux que ça irrite, vous pourrez toutefois les virer dans les options en leur disant « Va chier et laisse-moi zoom zoom zeng dans ma province vince vince Kino !» En plus de nous resservir la même vieille soupe de pâtes de poulet, la Team Ninja, qui a su forcer le respect des Chinois en matière de contrefaçon avec leur Serigno, puisqu'elle était déjà une ressucée du concept de Dark Souls, a su montrer de la suite dans les idées en plagiant cette fois-ci Sekiro avec Wolong. Et forcément dans l'histoire, c'est From Software qui rit jaune. Koei Tecmo, ils ont l'habitude, vous me direz, vu qu'ils avaient déjà plagié Monster Hunter avec Tokiden. Bref, tout comme Nioh, le gameplay de Wolong est extrêmement bien ficelé. Basé sur l'exact même système de contre qu'est la mécanique de posture dans Sekiro, il suffit d'une pression de bouton dans le bon timing pour réussir à dévier un coup reçu. La tech s'avérant essentielle pour déchaîner des contre-attaques dévastatrices, notamment contre les coups imparables déclenchés quand l'ennemi clignote d'un point rouge. Ah, ça vous rappelle des souvenirs, non? Dans le cas où vous vous foirez et appuyez hors rythme comme un bartou fragile sur une piste de danse, vous recevrez une pénalité sous forme de remplissage de barre de stun, de la même manière que cette barre montera si vous gardez les attaques adverses et jusqu'à ce que la dite barre soit pleine en vous laissant, à ce moment-là, vulnérable à quiconque voudra vous ouvrir en deux. Une sensation de déjà-vu, peut-être. Avec l'âge, je deviens amnésique. Wolong vous pousse donc à la jouer full offensif et par conséquent à maîtriser les particularités de gameplay du titre à marche forcée. C'est relou au début, mais du coup, on s'amuse aussi beaucoup plus vite, une fois, bien sûr, passé la douleur dans votre postérieur à force de vous être fait en papa outé. Outre la barre de stun, dite d'esprit négatif, il y a aussi la barre d'esprit qui se remplit lorsque l'on porte un coup avec succès ou que l'on colle un coup critique. On peut dépenser cette barre en coups spéciaux, techniques martiales et autres tours de magie. Si l'on abuse de la magie, la barre d'esprit négatif se remplit à son plus haut niveau et le moindre coup vous stunnera. Et comme précisé précédemment, vous vous ferez fendre le cul en deux. A noter que les ennemis possèdent aussi une barre et qu'il vous sera bénéfique de les bourrer pour la leur remplir. Cette barre d'esprit négatif se vide très lentement à moins de réussir un contre. Un principe qui s'inspire au hasard de, allez, Dark Sekisouls, un principe qui permet également de gagner des niveaux en tuant des mecs pour améliorer vos caractéristiques, vie, magie, barre d'esprit, etc. Mais si un gilet jaune, un zombinche, un bestio ou un bidasse de l'armée adverse vous baise, vous perdrez la moitié de vos âmes et la seule solution pour les récupérer sera de le baiser à son tour sans clamser pour vous faire rembourser. Le jeu peut se jouer en coop jusqu'à 3 et vous pourrez envahir des randoms pour leur niquer leur partie de la même manière que dans un certain jeu dont la Team Ninja doit être très très fan. Cependant, malgré le fait que j'ai joué comme une tortue, vu que je ne vous sors ce test que maintenant, personne n'est jamais venu se friter chez WAM. Outre le plagiat et honté, il y a, malgré tout, un système qui n'a pas été chouravé à qui que ce soit, et c'est le système de morale. Le moral est une forme de leveling à part entière, liée à chaque stage que vous ferez. Le boss qui vous attend à chaque fin de niveau est lui toujours au level 20 de morale, et tous les drapeaux que vous ne trouverez pas seront autant de niveaux de désavantage en plus par rapport au boss. Ce système tend donc à vous empêcher de rusher les niveaux. Vous gagnerez aussi des points de morale en tuant des mecs et le niveau de morale max est de 25. Cependant, chaque mort vous fera chuter grandement, mais le niveau plancher sera toujours correspondant au nombre de drapeaux que vous aurez trouvés. Si je devais trouver un mot pour qualifier ce système, je dirais brillant. Pour continuer dans le positif, l'action dans Wolong est un pur bonheur. Les variations de gameplay sont multiples grâce à une foultitude d'armes upgradables. Le jeu est nerveux, fougueux, rapide, précis et vous passionnera au moins autant qu'une partie de ping-pong endiablée sur Rouleau de Printemps TV. Malheureusement, il est temps, maintenant, de passer à la partie honteuse de ce test. Et oui, en outre de dévoiler les défauts du jeu, je vais devoir vous faire une confidence dont je ne suis pas très fier. Mon image de gamer va certainement en prendre un coup. Mais bon, en ce qui concerne les défauts, le plus gros point noir est malheureusement la diversité du bestiaire, bien trop réduite par rapport aux 16 stages plus les missions annexes. Une variété accrue aurait permise, de mon point de vue, de se rapprocher du jeu top niveau, pas du chef-d'œuvre certes, mais de l'excellence néanmoins. Toujours au rayon défaut, il y a aussi les bugs. Putain, j'ai eu des bugs comme jamais.
Par exemple, mon arme qui devenait inutilisable, ou encore un surpoids chronique, alors que pour une fois, je ne m'étais même pas bourré de nougat façon cacahuète au caramel. Comme quand je vais au buffet à volonté des nouaches pour m'exploser le bide, ou j'en fourre même dans mes poches. Mais la cerise sur le gâteau, c'est les putains de murs. Car ces boulets de la Team Ninja ont même singé les bugs de caméra de Dark Souls, et quand vous êtes coincé près d'un mur, putain mon gars, j'avais l'impression d'être rond comme une pelle à l'alcool de riz, alors qu'encore une fois, juré, je ne bois que du jus de litchi. À côté de ça, le loot est relou de ouf. Les caractéristiques des pièces d'armure sont illisibles, et il faut avoir un triple doctorat en mathématiques polynomiales algorithmiques à la Sorbonne pour comprendre qui est mieux que quoi. Du coup, comme ça fonctionne avec des bonus de 7 à la Diablo, j'ai pris la meilleure réduc de dommages d'un 7, et pour le reste, fuck. Et il est maintenant temps de vous révéler ma confession honteuse. Wolong est un jeu relativement profond. Entre la multitude de stuff, d'armes, de magie, de supports façon totem d'animal mythique, eh bien, la vérité, c'est que je n'ai pas vraiment creusé le jeu. Bouh ! T'es qu'un bon à rien, Gemouni ! T'es qu'un youtubeur de merde ! Moi, je retourne chez Babigui ! Ta gueule, le public ! Entre deux lancers de tomates, vous me demanderez, mais pourquoi donc ? Bah, juste flemme, quoi. Le jeu est, malgré ce que tout le monde pensait, trop facile. Et c'est pas pour me vanter d'être un top player, car tous ceux qui regardent cette chaîne savent que je suis une véritable merde manette en main, façon colique fantastique. Et ouais mon gars, je suis très loin des DGGX ou autres hacks rétro gaming. Mais voilà, c'est pas si compliqué que ça, et le fait de ne pas galérer outre mesure a fait que je me suis reposé sur mes lauriers au lieu de taffer le jeu comme un chinois. Et même pour la magie, j'ai utilisé le sort Imposing Slab, qui, avec mon build de terre, défouraillait sa mère. Et du coup, bah, je me suis jamais intéressé aux autres sorts. Comme excuse de sac, pour pas avoir creusé le jeu, je dirais que ce manque de difficulté ne pousse donc pas le joueur à découvrir, outre mesure, toute la profondeur du jeu, bien que, attention, nous sommes quand même ici loin d'un Nioh 2 en termes de profondeur et de possibilités. Le seul moment où je me suis vraiment cassé les dents est le boss Lugu. Connu dans la légende pour être invincible, c'est le seul moment où je me suis vraiment demandé si j'allais pas, à un moment donné, jeter la manette contre le mur et retourner cultiver des grains de riz plutôt que de jouer à cette merde. Bon, quelle conclusion pouvons-nous en tirer ? Wolong est beau, son design est sublime, les animations parfois ébouriffantes, les cinématiques sont graves stylées, l'action est trépidante, il est profond, bien que superficiellement. La touche du contre, mécanique principale du jeu, est trop omniprésente au point qu'il dévore absolument tous les autres aspects du jeu, créant un déséquilibre flagrant. Heureusement qu'il est ultra fun. L'aspect RPG du titre, lui, est creux et dispensable, au point qu'on se demande s'il n'est pas juste un argument de vente. Les musiques, quant à elles, ne m'ont pas marqué. Ça fait très musique d'ascenseur ou de resto nouache. Bien que de qualité, je ne trouve pas qu'elle ait particulièrement d'âme. Ce qui est un comble pour un Dark Souls. Le manque de diversité me ferait presque devenir progressiste et est le seul défaut majeur qui fait qu'il ne sera pour moi qu'un très bon jeu, mais certainement pas un chef-d'œuvre. Wolong se mange donc un 16,5 sur 20. Et pour tous ceux qui trouveraient que ce test est raciste... Gemoni, enculé ! Mais putain, pétez un coup les mecs ! Vous allez nous faire une occlusion intestinale là ! Je suis pas raciste, car je connais un ami qui connaît une chinoise. Vas-y, dis-leur maintenant! Allez, c'est bon, tu peux t'enfuir! Sur ce, chier, chier! Sarabayo! Yo! Good boy! Laisse-moi zoom zoom zeng dans ma province, vince vince. Wesh, les nouages sur Genshin on fout le pins, pins, pins. Laisse-moi zoom zoom zeng dans ma province, vince vince. Wesh, les nouages sur Genshin on fout le pins, pins, pins. Mon nouage t'es sexy, viens voir Gemouni. Original Ninja Man dans la ville de Paris. T'es brave, t'es poli, mais fais pas de chichi. Viens jouer sur Play 5 avec ton shinobi. C'est Wolong bouge. Reste pas planté comme une courge. Mange le compte, on croit carré sur le groove.